me parle romain. Ça fait bien longtemps que ça s'est passé, je sais pas comment c'est arrivé. David, ça va? Excuse-moi hein, pour le retard. Comment ça se fait que t'es à la bourre? Eh bah, 1h30 de route hein, pour arriver de Bourg. Ah ouais, c'est ce qu'on met quand on est en réunion. On pensait pas, hein, quand on arrive d'ailleurs. Allez, viens, on va se mettre au chaud. Viens m'expliquer ton exploitation. Ah bah, tu regardes, t'as de la chance. Moins 10, oh, ça va, tu vois. Oh là là. Le Joe, il est moins 25, alors. Allez, viens, on va au chaud. On va pas être à leur place dans ce grand bâtiment. C'est vrai qu'ils ont l'air bien, malgré tout, mais il fait quand même froid et. Bah tu sais, elles ont la chance d'avoir un toit sur la tête. Moi j'ai il y en a quelques-unes qui se promènent dans le massif du Colombier et bon personne dit rien donc c'est une blague, c'est pas. Non c'est pas une blague, c'est la vérité. Tu vois, elles ont des bonnes litières, en plus tu vois j'utilise la paille de Seine-et-Marne, donc on est allé chercher avec, avec mon voisin. Ah tiens regarde, voilà le maquignon. Ah bonjour. Salut. Salut David, t'as 2-3 bestioles? Ouais bah je l'ai vu la bonne paire là. Pour toi. Ah il est bon, il y a une belle bête hein. Ouais. Il y a une belle bête. Ouais, je sais pas, je pensais vraiment en Turquie, c'est ce que t'en penses? Bah la Turquie, je vois bien hein. Bon, on sait pas trop ce que ça a donné. Faudrait que nos politiciens restent un peu tranquilles. Ouais. Voilà, tu vois bien. Ah c'est pas gagné alors. Non, c'est pas gagné non. Et ah puis... c'est bon, autrement, on va faire quoi? Bah sinon moi je peux t'acheter pour le faire un tir en Italie. Ah ouais, mais l'Italie, il faut les vacciner. Moi, il est pas vacciné, alors... Ah bah non, s'il est pas vacciné, il faut pas tester. Ah là, bah voilà. Je peux rien faire. Sinon, faire partir en Espagne. Ouais, mais en Espagne, ça vaut le coup. L'Espagne, ils vont rien payer encore. Ah bah, c'est... Ah. Dis-moi, David, ça a l'air assez compliqué de vendre, apparemment, ah bah, c'est de plus en plus compliqué, hein, tu vois. L'animal qui est né en France, qui est élevé en France, plus je le vends loin aujourd'hui en Europe, eh ben, plus je gagne de l'argent, tu vois. Mais ce que je vais faire, tu vois, je vais prendre mon tracteur et ma bétaillère, puis je vais l'emmener à mon petit abattoir local, là, qui nous permet de valoriser nos animaux. Oh. Eh ben on est mieux là, David, non? Ah bah je suis bien. Alors explique-moi, là c'est ton bureau. Ouais. Ah, voilà quelqu'un. Oh, ouais. Ah. Qu'est-ce qu'il dit? Salut. Ça va? Bonjour, enchanté. Bonjour. Karine. On se la bise, hein. C'est Karine le plein champ. Ah, j'ai cru que t'as encore un coup trop le pâche, ça. Non. Attends, non, pas tous les jours, quand même. Attends, pas tous les jours, c'est vrai. Putain, j'ai un gros souci. Non. Internet, ça marche chez toi, là? Bah, ouais, ça marche, plus ou moins. Ça capte plus chez moi, t'es dans le remède. Ah bah, ouais, ça va. Tu sais, hein, pareil, tu dois t'en voir, tes déclarations. Et ouais, et puis j'ai pas reçu de paye de lait. Du mois là, on est déjà le 15 et puis il y a le banquier qui me court après. Là, t'as encore rien? Encore rien, là, je voulais voir si c'était. Si des fois je peux. Bah rien, vas-y, ouais. Écoute David, moi je vais te laisser. Ouais, à bientôt. Bon courage avec Sébastien et puis je repasserai te voir un séjour. Ok. Hein? En espérant que les marchés. Ah ouais, mais c'est encore pas viré quoi. Ça y est un peu. T'as encore pas viré? Pas encore viré, putain. Bon messieurs, dames, allez, au revoir. Salut. C'est pas viré, c'est mal. On va être mal. Ouais, on va être mal, tous mal. Alors, comme j'ai compris, vous avez pas de salaire, votre salaire est encore pas tombé là du mois passé. C'est rien, c'est pas mon salaire, ce serait que mon salaire. Bon, c'est déjà pas mal, mais là on a 30 000 euros en attente. Hein. On a les annuités qui tombent, on a les prélèvements MSA, on a les factures d'aliments, tout tombe dessus. Alors, votre secteur a l'air assez en crise en cette période, apparemment, de ce que je comprends. Ben, c'est pas. Nous on a des belles fermes, on est heureux de notre métier, mais derrière c'est les débouchés. Il y a des gens sur l'OP qui travaillent là. Et puis les syndicats se bougent aussi, ça c'est une bonne chose. Mais on a du mal à voir de l'avenir. Oh attends, tiens deux bouteilles, je vais t'expliquer. Voilà. Tu vois cette bouteille là? Eh ben c'est mes voisins là, ils sont à 500 mètres de chez moi. Ils vivent chez Guillotot, une usine en bas de la vallée. Eux, sur le mois de janvier, ils vont toucher en gros 333. Et nous? Notre lait, il va partir 280 euros. Le problème, c'est l'organisation des filières. Et nous, c'est pareil, l'organisation des filières aussi. Tu vois. JA, on se bat pour l'organisation des filières. Pour arriver à développer des vrais marchés, avoir une cohérence entre la base, les transformateurs, et que les grandes surfaces arrêtent de nous piquer tout notre pognon. Oula, qu'est-ce qui arrive, David? Qu'est-ce qui arrive? Ah, mais c'est rien, c'est mes amis chasseurs. Allez, venez voir. Allez, les gars, venez boire un coup. Vous avez chasseurs qui tirent comme ça? Ah bah en plus Claire Chazal est arrivé, regarde. Oh, bonjour. Salut. Venez les gars. Ah. Enchanté collègue. Ça va collègue? Ah. Alors, vous tirez un peu les sangliers? Non, c'est fini. Oh, ouais.
Bon, on aurait préféré y aller il y a un mois en arrière, mais il y avait plus de 15. On aurait bien aimé, mais on peut pas. C'est toujours pareil. Quand on veut, on peut pas. C'est 15 quoi, 15 cm de neige? Oui, 15 cm de neige. Et dans nos montagnes, on y est vite à 15 cm de neige. Et qui c'est qui vous restera des lits pareils? Oh, c'est la Fédération de chasse, là. Ils disent 15, c'est 15. Nous, on aimerait bien au moins 25. Mais bon, c'est comme ça, on fait tout notre possible. Et aujourd'hui, il n'y a plus de neige, puis tu veux plus y aller. Eh ben, c'est fermé. Quand on veut, on peut pas. Quand on pourrait, on peut plus. Alors, on essaie pas de faire le maximum pour protéger les semis de maïs, mais c'est pas toujours facile. Non, mais on a de la chance d'avoir nos chasseurs, quand même. Bonne ambiance apparemment entre vous, et puis ça fait plaisir à voir quand même dans cette campagne qui est... Oui, bah oui, bah moi j'aime bien venir dans le Val-Romain. J'aime bien venir dans le Val-Romain parce que je trouve que les gens sont très accueillants, très gentils. Puis alors les jeunes agriculteurs, c'est, sont... c'est quand tu nous payes nos canons, tu nous as... Ah bon, bah, bravo, allez, allez. Ah ça me rappelle les concours de la bourre qu'on fait, les comices. Ça c'est l'esprit général, ah ouais. Local. Hein. Ah, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Il y a beaucoup d'événements comme ça dans le secteur. Allez, carrément, bon, ouais. Vous avez bon. Là pour rejoindre et vous avoir une bonne entente comme ça, c'est trop bon aussi pour l'année avec des événements, je pense. C'est pas... Voilà, mais ils font des fêtes. Ils font des fêtes, oui. Puis alors, moi, comme je dis, hein, j'ai d'ailleurs dit à Jean-Pierre Pernaud qu'il fallait absolument qu'il fasse un reportage sur le journal du Trésor dans le Val-Romain, hein, qui vient de vous voir les jeunes agriculteurs qui sont, à mon avis, indispensables pour le paysage local, éviter que les ronces avancent, tout ça, qu'on puisse continuer à venir se promener dans le Val-Romain. Ça, c'est... Vous êtes nécessaire et c'est important qu'il y ait des jeunes agriculteurs dans le Val-Romain, ça c'est sûr. Vive les jeunes agriculteurs!